Bonjour, bonjour à tous, bonsoir tout le monde si c'est ce soir pour vous. On se retrouve sur Zelda Breath of the Wild, notre challenge, finir le jeu avant que le prochain arrive. Alors bon, sincèrement, j'ai juste continué tout de suite après l'épisode tout à l'heure. Il y a genre une minute qui s'est passée. Mais j'ai toujours envie de jouer, alors je me suis dit je vais continuer à filmer tant qu'à faire. Donc là nous sommes arrivés au village des limites. Alors l'émission je crois que c'est ici. Non, pas du tout. Non. L'émission il me semble que c'est ici. La statue maudite d'Elmite terminée. Xenoblade, je sais pas trop c'est quoi ça. What? On devait aller ensuite ici. Pour trouver le chef du laboratoire à Elimite. Donc aujourd'hui nous y sommes là. Nous sommes arrivés. Et on va faire réparer notre tablette pour qu'on puisse continuer notre aventure. Donc regardez, il y a un monsieur qui arrive, on va lui parler. Un rouage antique. Salut. Tu es devant toi Beris, chasseur de trésors. Bonjour Beris. C'est tout de même une triste histoire. Les gardiens sont aujourd'hui haïs par ceux-là même qu'ils étaient censés protéger. Question. Est-ce que tu t'intéresses aux carcasses de gardiens? T'as des matériaux? Quelque chose d'intéressant? J'ai ça. Waouh. Par contre, moi, j'ai des trucs à vendre. C'est la première fois que quelqu'un me le vend aussi. Alors, juste, je vais regarder combien tu me rachètes, moi, mes ressorts antiques. Il te faut autre chose? Parce que j'ai des ressorts antiques, tu vois. Toi, tu vois, tu me les achètes à 15 euros. Je veux dire, à 15 rubis. Et tu me les vends à 60. Tu sens pas qu'il y a une sorte d'injustice, là, dans ton système? Merci beaucoup. Très bien, bonne continuation. Donc là, il nous a dit un truc intéressant. C'est qu'il va falloir qu'on fouille les carcasses de gardiens. Maintenant, grimpe. Mec, grimpe. Pourquoi il ne peut pas grimper? Continue à grimper. Link, what are you doing? Il peut pas? Mais regardez, il y a des trucs intéressants là, pourquoi il peut pas grimper? Allez! Il peut pas. Je veux juste que tu... Voilà! Tout ce que je voulais que tu fasses. Ben voilà, du coup t'es tombé. Allez, on part à celui-ci. Hé, tu vas là! Et quel sombre dessin! Ta mère, intrus! Je viens visiter. Oh! Après inspection plus approfondie, je constate que tu es en réalité un alien ordinaire. Eh ouais! Je suspecte tous les inconnus de prime abord, des formations professionnelles. Désolé de t'avoir un peu malmené. Ah, pas de soucis, monsieur. Tu peux circuler. Tu es de passage, n'est-ce pas? Si tu veux faire quelques emplettes, il y a tout ce qu'il faut à l'épicerie. Nous avons aussi une auberge, tout au fond. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Allons-y, Popo. Merci beaucoup, Renou. Waouh! Donc, c'est parti pour visiter un village entièrement. D'abord, on va trouver une place pour poser Popo. On va pas... Le garder avec nous toute la journée non plus. Encore des gens qui cultivent, je sais pas ce qu'ils cultivent. Il y a des arbres. Il y a des enfants. Ouh, je t'ai jamais venu ici. Et forcément, il y a un sanctuaire. Il y a toujours un sanctuaire quelque part, non?
À propos, je pense que je vais te laisser là, en fait, finalement. Ici. Tu vas nous attendre ici. Après, il n'y a pas d'eau pour toi, là, donc... désolé. Il n'y a pas un endroit avec de l'eau, même si ça change absolument rien, parce que tu n'es pas un vrai cheval, mais quand même, je sais pas, moi. Je me dis, s'il y avait un endroit avec de l'eau, ce serait bien. Mais je trouve pas. Alors, merci beaucoup, Popo. Youpi! Un village! Ouais! Un lieu pour cuisiner! C'est parti! Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah! Non, je suis désolée, Popo. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Tu peux pas zoomer plus? Ouais, je vais passer. Non, mais je vais passer un truc. On peut bouffer ici. Popo, toi, tu vas rester ici. Tu vas, d'accord? Tu vas rester ici avec tout ce qu'il y a là. Les poules et l'œuf que j'ai fait voler. Ah, et la musique est trop bien. C'est bien parce que l'architecture est totalement différente. Mec, non. Mais non, c'est... Peut-être des rubis là, dans ce sac qu'on est lancé, d'accord? C'est pas qu'on est mal élevé. On est mal élevé, mais c'est pas juste ça. Par contre, moi je veux bien un balai. Mais je peux pas. Alors attends, on va lâcher un truc. Hein. C'est trop bien d'avoir un balai. Viens, on lâche ça. On prend un balai. Non, non, on prend le balai. C'est génial! Allez, on grimpe. Oh, il y a des aigles ici! Oh, regardez, il y a des épouvantails. Et comme il fait nuit, la musique s'est ralentie. Je sais plus si j'étais déjà venue ici, mais il me semble que non. Hein. Man. Oh, Link, je suis tellement déçue. Comment se fait-il que tu n'arrives pas à monter en haut de ça? Voilà, on se fait de l'avant, tranquille. Dans les Dark Ring of Time, il y avait des épouvantails et on pouvait chanter pour eux. Et ils dansaient. Ah, il y a peut-être des... Il y a peut-être des rubis dans ça. Peut-être que j'étais déjà venue ici en fait quand j'avais joué la première fois. LOL. Attends, c'est génial, mais on va juste changer quand même un petit moment. Yep. Ah. Ouais, du riz, on peut cuisiner peut-être le riz, non? C'est quoi cette musique? Ah, oh, c'est la nuit! C'est la nuit spéciale! C'est la nuit rouge! Capture l'écran.
Capture d'écran. Non, mais je peux faire capture d'écran. La lune de sang. Elle brille à nouveau cette nuit. Link, prends garde. Je me rappelle la première fois que j'avais joué. J'avais suivi le chemin que le roi Dirul m'avait dit de suivre. Et je m'étais retrouvée dans un couloir avec des ennemis, déjà de base. Il fallait être en hauteur et marcher doucement. J'avais 3 cœurs, un truc comme ça. Et j'étais en hauteur avec des ennemis. Et j'étais terrifiée. Et ensuite, la nuit s'est annoncée. Franchement, c'était n'importe quoi. Le chemin qu'il donne, le roi là, c'est n'importe quoi. Hein. Il nous dit de passer entre deux montagnes, je crois. Et en fait, quand on passe entre les deux montagnes, bah, il n'y a que des ennemis partout sur le chemin. Ah là là. Steve, franchement, je me disais bien qu'il était louche la première fois que je l'avais rencontré. Mais là, franchement, j'étais tellement, tellement blessée par cette trahison. C'est parti. Ah ouais, non, vaut mieux pas faire ça. Ah ouais, non. Faut pas faire jusqu'à la fin. J'ai raté, non. Moi, j'ai juste du riz, là. Y'a plus de riz? Ok. Par contre, il pleut là, comme pas possible. Ah, attends. Il pleut, les gens. Quand il pleut, c'est très dangereux de porter ce genre d'arme sur soi. Un balai, c'est mieux quand il pleut. C'est comme le gars a dit. On voit des éclairs et tout. Oh, tu peux pêcher? Oh là là, trop bien! Tu peux grimper ou pas? Allez, tu peux le faire. Je sais qu'il pleut, mais c'est un arbre. Oh! Je peux pas. Tu es nul! Tu es nul! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne veux pas s'oublier de ça, non. Ça, je l'ai vu, là. Pas de panique. Juste continuer à explorer un peu les lieux et tout. Il y a du courant dans ça? Ah! L'épée rouillée? Ben, moi, je veux une épée rouillée. Ah, ça suffit. Non. Qu'est-ce que je peux bien jeter? Mais j'ai... Ah ben non. Ça, je jette ça. Ouais, non, c'est pas comme ça qu'on jette. On est obligé d'entrer pour jeter, par contre. Je prends les perruliers à la place. Mais par contre, faut pas que tu gardes les perruliers. Parce que...
Et puis, oui, c'est... Enfin, c'est mieux, peut-être. Regardez, il y a des canards. Ok, on change d'arme. Désolé, on va tester les perruques. C'est très satisfaisant de couper les herbes. Ah, j'étais pas dans le visage tout à l'heure? Effectivement, la musique s'est arrêtée. Par contre, est-ce que la pluie peut s'arrêter aussi? Ce serait pas trop demandé, hein. Parce que moi, je dois grimper. Je dois grimper s'il pleut. Comprenez? Je peux pas grimper s'il pleut. Alors, je vais remonter tout en haut. Bonjour. Déjà, je t'ai dit, il pleut. C'est un bec, je crois. Et là, hop. J'espère que je vais pas me noyer. Si ça se trouve, je vais me noyer, alors je vais pas partir du fond quand même. Je vais être juste là. Hop. Et... Non, en fait, je vais pas faire ça. Hop. Je continue à visiter, mais il est gigantesque ce village, contrairement à Cocorico. Vous avez vu comme c'est grand? C'est énormissime. On pourra jamais tout visiter, vous êtes d'accord avec moi. Mais d'abord, quand même, on fait la visite avant de... Avant de commencer l'émission ou de parler aux gens, vraiment. On essaie d'aller jusqu'au bout. Ce village est gigantesque. Il y a sûrement un endroit pour prier ici aussi. Arrête. Il y a des moulins jusqu'à... Et il y a quelqu'un là. On l'a vu. Waouh, ce village est gigantesque. Désolée, mais je peux pas arrêter de le dire. Il y a des vaches. Il y a quelqu'un qui est pas content. Est-ce qu'on peut encore monter? Oh là, là, je me dis, c'est juste impossible à faire. Oh, regardez, il y a un arbre sur une île flottante. Il y a un bateau. C'est quoi, ça? J'entends des trucs, non? Allez. Ah, c'est des crapauds. Là, je pense qu'on est, on est plus dans le village, là, à mon avis. Là, ça y est, je pense... nous allons quitter le village des limites. Ah ah, champi de piment, ça, je l'avais jamais fait. Ah, j'aurais dû emmener Popo tout en haut, en fait. Hein. Il y a plein de pense. Ah, il a arrêté de pleuvoir, là. Je l'ai vu, l'écureuil, mais... Enfin, pas l'écureuil, le lézard, mais... J'ai décidé de pas le prendre. C'est un choix.
Je me suis dit, entre un lézard et un gland, je préfère un gland. Pas savoir pourquoi. Mais c'est un choix. Okay. Ah si, il me semble que j'étais arrivée là. Et en bas, là, il y a une plage. Vous voyez là? Il y a une plage. Et bon, je peux pas vous spoiler si vous êtes en train de regarder, mais... Du coup, je suis allée là-bas, moi, tranquille. Et j'ai regretté. Ok. Je pense que là, après, on arrive au bout de la carte. Je pense que, vous voyez, là où il y a les nuages, là, les nuages blancs, je pense que c'est la limite de la carte. Qu'on peut pas aller plus loin. Attendez, je regarde. Des yeux. Bah, peut-être que je me trompe aussi. Aussi, c'est possible. Mais il me semble que c'est ça. Hop. Là, il y a un sanctuaire là-bas. Oh, oh, vous avez vu ça là? Est-ce qu'on le prend ou parce qu'on va l'oublier ou on le prend pas? On le prend. Yeah, escargot. Youpi. Ok. Alors, on continue de nager là. Comment on remonte? Non, comment j'ai raté, Ling? C'est ta faute. Tu comprends? Tu devais l'attraper, pas sauter. Oh, ta frustration est grande. La frustration, Link. Tu comprends que je sois frustrée par ton attitude. Alors, on retourne au village. Vas-y, sortons. Du coup, bah, j'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu le truc. Y'a quoi là si on descend? Une partie de moi veut, mais une autre partie se dit non, on a un village à visiter, il est déjà grand. Est-ce qu'on passe par le chemin ou est-ce qu'on passe par là? Je me dis, il y a peut-être des champignons par là, c'est pour ça que j'ai choisi ce chemin. Mais je me suis trompée, il n'y a pas de champignons. Pourquoi qu'il y a ces petits insectes là, ça va trop bien. Alors Link, essaie de les attraper la prochaine fois, ok? Non, non, attends, attends, attends. Oh, j'ai glissé. Ouais, y'a pas de passage, hein? Ah, regardez, y'a un insecte. Tout doucement, Yeah! Libellule de piment! Bravo! Félicitations, Link. Je suis fière de toi. Tu as avancé, mec. Voilà. Du coup, on a fait tout ça pour récupérer des libellules. On continue. On retourne sur nos pas. Et demi-tour. Y a pas un truc là-bas aussi? Vous voyez pas un sanctuaire là, tout au bout là? Ouais, y a un sanctuaire hein! Y a un sanctuaire tout au bout là-bas. Capture! Parce que c'est juste trop beau! Capture! J'ai un balai quoi! La photo est géniale, mais j'ai un balai. J'ai un balai comme là. Voilà. Et là aussi, il y a un truc là. C'est quoi ça?
c'est que ça? Et là, il y a un sanctuaire là-bas aussi. Là. Ok. Oh là là, mais c'est pas vrai, ça... ce village ne s'arrête donc jamais. En fait, j'aurais pas dû laisser Popo. J'aurais pas dû la laisser. Oh là là. À quoi je pensais quand je l'ai laissée là-bas. Je me disais que peut-être que c'est tranquille, enfin, un village tranquille, tout ça, mais en fait non. Est-ce que je peux casser ça? Je pensais que c'est possible de la casser, ça. Je sais pas, hein. Non, je pense pas. Hein. Continuer notre avancée dans le village Elimit. Je sais pas si on peut lire ça. Non, on peut pas. On ne peut pas. Ah, mes yeux. Mes yeux n'en peuvent plus. Donc on a vu qu'il y a des lanternes aussi, sûrement qu'on aura à évaluer. Il y a ce bel arbre aussi. On vient de là, nous. Et voilà, je pense qu'on a fait tout le village quand on est arrivé ici. Ok. Donc, une fois qu'on a fait tout le village, on retourne en bas. Laboratoire antique. C'est ici qu'on doit aller. Oh, vous entendez cette petite musique? Désolé, monsieur l'arbre, vous avez pas vu. Bon, alors on redescend. Voilà. Comme toujours, on fait la mission du jeu en dernier. Oh, regardez ça, c'est trop beau, cette lunette géante. Ok, allons-nous-en. Hop. Et on redescend tout le village. Picture. C'est pratique, ce truc. Je vais mourir. C'est un bouclier? Oh, bouclier rouillé! Vous avez vu? J'ai la paire! J'ai la paire! Mâche quoi? Ouais, c'est pas croyable que je lâche ça pour garder ça quoi. C'est juste n'importe quoi. Pièce de collection. Ah, il faut vraiment que j'agrandisse mes boucliers là. Vous avez vu ça? On peut glisser dessus? Vous pensez qu'on peut glisser dessus? Allez, on récupère ça. On lance. On lance. Voilà. On peut pas glisser dessus, la déception. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Décidons de visiter toutes les maisons. En commençant par la première. C'est-à-dire
Popo, tu es toujours là? Ah non, c'est pas là que j'avais laissé, j'avais oublié. C'est-à-dire, alors ici on peut allumer sa torche, là, si vous voulez. Hein. C'est pas fait pour ça, mais vous pouvez le faire. Donc on commence par cette maison-là. Yuppie. Attendez, il y a un truc là. Regardez. Nous n'avons pas assez de place dans le compartiment. C'est trop bien, il y a un couvert de marmite. Il y a des lits, il y a la table qui est mise pour manger. Il n'y a rien à loot. Il y a un étage. Il y a d'autres lits. Et rien à loot. Ça on peut pas. Ok, maison 1, c'est fait. Alors, il y a quelqu'un pour la maison 1 ou pas? Il y a personne là. Ouais, il y a quelqu'un là. Lui, qu'est-ce qu'il va nous donner? Alors, le voyageur, est-ce que tu seras perdu par hasard? Où est-ce que tu veux aller? Un lieu insolite. Un lieu très insolite. Un lieu de repos. Un lieu insolite. Un lieu insolite, tu dis. Oui. Que dirais-tu de la teinturerie? Croix du pont. Et de son propriétaire haut en couleur. Il s'appelle Soji. Et c'est un virtuose de la teinture. Mais il est si original que certains le croient. Zinzin. Ah, il est pas zinzin, voyons. Et un lieu très insolite. Entre là, l'endroit vraiment le plus insolite, je dirais que c'est le laboratoire antique des limites. Il se situe tout à l'est, en haut de la colline. Ok. Le directeur des lieux consacre chaque jour que nous donne la nature à ses recherches pour préserver la paix. Ah, ok. Il n'aime pas trop que les enfants traînent dans les parages, ce qui les attire comme des mouches. Eh ouais. Tu veux savoir autre chose? Non, merci, ça va, merci beaucoup. Très bien. N'insiste pas alors. Ok. Hé! Un problème, petit? Je trouve un truc super incroyable. Tu veux le voir? Vas-y, fais-moi voir. D'accord. Alors, tu dois me suivre. Ok, on suit le petit. Il s'appelle Pico. Allez, Pico, montre-nous ce que t'as trouvé. Ah bah non. C'est là. Faut que tu rentres chez toi aussi. Mec, t'es sérieux? Il a pas pu me montrer parce qu'il pleuvait. Non, Pico. Non, t'es pas, il a pas pu me montrer parce que c'est l'heure d'aller dormir, quoi. Oh là là, Pico. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je peux prier ici. Tiens, c'est pas souvent qu'on vient prier par ici. Tu peux parler? Tu arrives à m'entendre? Oui, c'est très louche. La musique, c'est inattendu. Oh mon Dieu, tu es venu prier pourquoi? Vivre le plus longtemps possible, devenir riche, un classique, celui-là. Quoi qu'il en soit, tu as frappé à la bonne statue. Autrefois, j'étais un dieu qui régissait la vie et la force. Oh mon Dieu, j'ai changé de la vie contre de l'argent, mais la déesse Ilia l'a découvert et m'a donné cette apparence que tu vois là. Depuis, les villageois disent de moi que je suis la statue du diable. Ces misérables laissent carrément la fiante d'oiseau me recouvrir petit à petit sans même sourciller. On pourrait croire qu'avec un tel traitement, j'aurais fini par regretter mes actes passés. Que dalle! Lol, n'importe quoi! Personne ne parle comme ça de soi-même, voyons statue. Quelqu'un comme toi, quoi. Ah, ça fait du bien de vider mon sac de temps en temps. Ok. Bon, passons aux choses sérieuses.
Bouge pas. Laisse faire le trou. Je vais battre moi-même. Vise un peu le boulot. J'ai prélevé ce réceptacle sans laisser la moindre trace. Mec! Non! 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 Saleté! Alors attendez, je vais regarder. Si tu viens du village des limites, on vous a pris un réceptacle. Parlez-lui pour le récupérer. Ah, ok. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que tu veux encore? Rends-le-moi, saleté! Hé, tu croyais que j'allais t'alarquer? C'est ça? Ce serait vraiment pas dans mon intérêt. Bon, lequel tu veux? Je te l'ai sûrement déjà dit, mais je donne de la vie et la force. Bah, mon cœur, mec, vraiment. Ça marche, bouge pas. Tu as l'air sceptique. Il n'y a pourtant pas de quoi. Par contre, à l'avenir, quand tu voudras gérer tes réceptacles, il faudra allonger le zèle. Vends un réceptacle pour 100 rubis. N'importe quel type, je m'en fiche. Ensuite, si tu veux le récupérer, tu me files 120 rubis. Je te laisse choisir ce que tu veux en faire. Un réceptacle de cœur ou d'endurance? Alors, si tu as envie de faire affaire avec moi, n'hésite pas à revenir prier, ok? Je bouge pas d'ici. Mec! Mec! C'est nul! Je suis désolée, mais c'est nul ton truc. Ok. En tout cas, merci. Merci à. J'ai oublié son nom, du coup, le petit garçon là. Lâche. Merci au petit garçon pour m'avoir emmené jusqu'ici. Alors là, il y a quoi là? Il y a forcément un truc ici. Est-ce que nous ne sommes pas d'accord? C'est quoi ça? Je peux pas l'attraper? Non, je peux pas l'attraper. Ah si, je l'ai attrapé, lol. On va pêcher un peu, les gens. Tant qu'à faire. What? Je l'ai raté! Oh non! Comment se dit que je l'ai raté? Ça n'est pas bon. Yes. Ok, bon alors continue à visiter le village. Hop. On a visité ça. La statue qui nous a volé le corps pour nous le remettre. Aucun intérêt. Après, ce serait bien s'il y avait un feu en quelque part pour qu'on puisse. Attendez, il y a un truc peut-être sur la. Que je ne peux pas grimper parce qu'il pleut. Mais que j'arrive à grimper pour quelconque raison que je ne m'explique pas. Ok. Par contre, voilà quoi. On a fait ça, c'est bon, on a fait celle-là. On fait celle-là maintenant. On peut lire ce qui est écrit là. Séracier. Et associé vous propose des habitations innovantes à découvrir et à visiter sur ce site. Maison modèle. Ok. Merci Saracier. Il a dit que je pouvais visiter, alors on ne peut pas hésiter. Ah oh, pas mal du tout, pas mal du tout. Pas mal quand même. Très intéressant. C'est pas mal du tout. C'est génial. Par contre, économie d'énergie zéro. Ah, les maisons sont vides, mais la lumière allumée.
Oh, celle-là, elle est bien, celle-là, elle est bien. Regardez, là, il y a la place pour la petite cuisine et tout. Ici, on a le lit. Et ici, on a la salle de bain. Vous voyez, je l'avais dit. On peut même mettre un petit bureau, là, comme ça. Ici, on peut mettre bah, la terrasse. Voilà. Hein, parce que... Pourquoi pas? C'est dommage qu'il pleuve, hein, sérieux. Donc on a visité celle-là, il n'y avait rien dedans. Ah. Ensuite celle-là. Ok, pas mal du tout, pas mal du tout. Mais je préfère celle du lit, elle est vraiment mieux, celle du lit. L'étage et tout, c'est pas mal du tout pour un petit studio. Très joli, très joli. Un sanctuaire, donc on l'a vu. Sanctuaire Mayama Gana. Ah, j'ai vu cette maison là ou pas? Bah non, j'ai pas vu. Un feu, génial! Attendez, on va passer la nuit. Parce que voilà quoi. Voilà. Donc d'abord on soulève ça. Il n'y avait rien dedans. Ensuite on grimpe sur cet arbre. Et là il y a rien dessus. Voilà. Ensuite il y a ces gens qui cassent la maison là, ils sont trop nuls. Voici là où on aurait dû laisser Popo, hein, en toute logique. Oh là là, je l'ai compris. Je l'ai compris. Il a tout compris. Hop. Donc, il n'y a pas. On récupère. On peut rentrer ou pas? Non, c'est juste de la déco. Ça s'ouvre pas cette porte, c'est ça? C'est ça que vous essayez de me dire? Moi j'insiste, mais ça s'ouvre pas. Continuez à visiter, hop, village des limites. Ouais, je sais qu'on est là. Hop là. Cette maison est vide. Ah, attendez! Vous pensez qu'on peut couper et. C'est quoi ça? Peut couper les filles? Ça fait quoi si on coupe les filles? Ça débloque un truc ou pas? J'ai envie de tester. Non, on ne coupe pas. Voilà, j'ai utilisé une flèche sur ça. Tant pis pour moi. Tant pis. Ah si, je peux la récupérer. Il n'y a rien en dessous là, il n'y a rien. Bam, bam, tranquille. Je pense qu'il faut qu'on parle à ces deux là. Mais d'abord, je vais parler à elle, parce que elle, lui plutôt, lui, il a un point d'exclamation. Bonjour! Ah, c'est lui qui construit! Tu fais quoi? Qui es-tu? Je sais qui tu es. Tu fais quoi? Comme tu peux le voir, on est en train de démolir cette maison abandonnée. De nos jours, c'est très facile de trouver un acheteur. Alors, avec les villageois, on a décidé de la démolir. Je peux acheter la maison? What? Pourquoi faire? T'achètes. Qui c'est ce rigolo? J'achète. Elle est bonne celle-là. Bref, je t'explique. Cette maison est inoccupée depuis des années. Le conseil du village a donc décidé de la démolir. Entre les coûts de démolition, le prix de la main-d'œuvre et les autres frais, on me paye 50 000 rubis pour ce chantier. Donc, quand tu me dis j'achète, moi je veux bien, mais c'est 50 000 rubis. Tu les as? Non.
C'est de ce que je pensais. Moi aussi, quand j'avais ton âge, j'avais beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Je comprends pas trop bien ce que tu ressens. Allez, c'est bon, j'ai compris. Tu sais quoi? Tu me plais, mon petit gars. C'est décidé. Exceptionnellement, je vais bien te vendre cette maison pour 3000 rubis. Mais il y a une contrepartie. Tu devras m'apporter 30 fagots de bois. Ce que c'est pas donné, ça. Ok. T'as compris? Alors file et prouve-moi que tu en veux. Et j'allais oublier. Groseille, froboseille. Oh là là, groseille et framboise. Arrêtez tout. Oui, boss. Ah, le maître du bonheur. Ok. Bon, il faut juste que je coupe du bois, en fait. Hein. Pas de soucis, monsieur. Très bien. Il faut juste que je coupe du bois, que je trouve 2000 rubis, et ensuite, voilà, quoi. Oh, aucun souci, aucun problème. Je vais littéralement vider ce village de tous ces arbres. Et je reviens vers vous, ok? Alors, on continue avec maison numéro... celle-là, quoi. Là, on voit quoi, là? Je parle à telle personne. Bonjour, bonjour! Quel super temps! Bienvenue chez Kalima. N'hésite pas à entrer, nous sommes ouverts. D'accord. As-tu déjà découvert toute notre gamme de produits? Bah non. Mais avant tout, moi, je vais casser vos pots là, juste au cas où vous avez des trucs cachés dedans. On dirait que vous n'avez rien caché dedans. Ah, il va faire nuit déjà? Non, il va pleuvoir. Mais pourquoi il pleut autant? C'est pas possible ça. Il pleut. Ah, désolé. Ah! Attends, petit, parle-moi. Ah? Hé! On est des espions en mission secrète. Alors viens pas griller notre couverture, compris? Désolé. C'est quoi ça? Alors. Oh là là! Des flèches explosives! Oh, un client. Excuse-moi, mais je t'avais pas vu entrer. Un lot de 10. Ok. Ok. Merci, fiston. De rien, monsieur. C'est quoi ça? Je peux acheter ça aussi? Goûter de lèpre. Mais j'ai pas assez de place. Juste deux alors. C'est quoi ça comme truffe? Oh bah j'en prends qu'une. C'est quoi ça? Champi vigueur, j'en ai trouvé, non? Il me semble que j'en ai trouvé des champi vigueur. Ou pas. Non, champignon, pas les gars. Bah, j'achète ça. Oh. Juste un. Oh. Ok, merci beaucoup, monsieur. C'était génial, votre magasin. Ça, c'est quoi? Je peux examiner ou pas? Je peux pas? Ok. Ah, je sais comment je vais faire mon travail. Je vais regarder déjà s'il achète le bois. Je sais que ça se vend que dalle, mais je vais regarder déjà. Est-ce que vous achetez du bois, monsieur? Bonjour. Tu as besoin de quoi? Je veux vendre. Est-ce que vous achetez... Est-ce
s'il m'en reste d'ailleurs, je sais même pas s'il m'en reste. Ouais, ça se vend pas assez bien. Ça vaut que dalle. C'est là que vous voyez à quel point vous faites arnaquer. Merci. Parce que quand tu veux, je lui ai pas demandé il était qui en fait, hein, mais c'est pas grave. Donc on a fait cette maison là. What? Bienvenue! Ouais, mais je parle là, madame, ça suffit. Alors ici on a les vêtements, mais j'ai plus d'argent, donc ça va être chaud. Laisse-moi voir le prix là. 120, 90, 60, 180, 250, 200, ça c'est quoi? Doublet, 80. J'ai trop envie d'avoir. Alors attendez, combien de poches j'ai déjà? Non. Putain, c'est beau, j'ai de la place, j'ai largement de la place. Oh là, la panique pour rien quoi. Donc j'ai pas d'argent, mais j'achète quand non, attends. Ok. Je vais parler à cette personne. Hi. Sophora, bienvenue, bienvenue. Que tu cherches des vêtements simples et élégants ou une tenue de soldat Vendès? Vendès a tout ce qu'il te faut. D'accord. Est-ce que je peux t'aider? Je ne t'avais pas vu. C'est quoi ici? Lol. Oh, je suis confuse. Tu crois qu'il n'y avait personne dans la boutique pour te servir? Je suis vraiment navrée si je t'ai surpris. Malheureusement, c'est la consigne. Ma place attirée est ici. Ma place attitrée est ici. J'espère que tu comprends. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bah, je regarde ce que je peux lui vendre. Juste le sang, s'il te plaît. Merci d'avoir patienté. Alors, qu'est-ce que tu veux vendre? Je t'en prie. Bah, ah, attends, attends, attends. Ça. Ouais, je vais vendre. Je veux vendre ça, tiens, ça me saoule. Voilà, je vais vendre. Opal brut. Je vends tout. Je vends tout. Voilà. Tout ton stock. Ok. Ça aussi, je vends tout. Ouais, tout mon stock. Ok. Il n'y a pas d'autres pierres que je peux vendre là. Ça, non. Ça, non. J'ai plus beaucoup de place pour à manger non plus. Ok. Bon, je vais vendre ça aussi, tiens. J'ai déjà fait le remettre, de toute façon. Hop, c'est parti. Vas-y. Balance. Ou plutôt, tiens. Ouais, ouais, je vends tout, je vends tout. Toi, tu es aussi lente et indécisive, madame. Ok. Je vais acheter la armure. Merci, au revoir. Oui, oui, je vais aller vite. Je vais juste prendre ça. Je vais juste prendre ça. Tu vois? Oh, mais plus vite! Ouais, ouais. Ah.
Ok, et ça. Je dépense tout ce que je viens de faire comme argent. Et même plus. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Ah, je vais lui parler à lui. Tiens, tiens, un visiteur a l'air égaré. C'est la première fois que tu viens au village des limites. Et ouais, tu ne peux pas tomber mieux. Je propose des visites guidées gratuites. Ça te dit ? Je veux bien. Je veux bien, ouais, ouais, ça me dit. Merveilleux ! Tu ne regretteras pas. Ma fille travaille pour moi à la boutique, alors le temps libre, c'est pas ce qui me manque. Et comme je voulais faire quelque chose de constructif pour le village, j'ai décidé de proposer des visites guidées. Donc voilà, c'est moi qui te fera visiter notre charmant village. Alors essaie de ne pas te laisser sonner. Et dans une minute, attends-toi à l'imprévisible. Attends monsieur, par contre, je vais changer d'arme. Parce qu'il pleut, comme vous avez dit, et je ne voulais pas avoir un truc en métal sur soi, quoi. Donc, je vais prendre une torche. Voilà, c'est parti. Bon, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, c'est gratuit. Ok. Voici Kalima, l'épicerie du village. Ou presque. En route. Ouais, allons-y. Mais monsieur... Oh, c'est trop bien, il me fait tout visiter. Ha ha. Voici la teinture de l'avant. La teinturerie de l'œuvre qui tient les vêtements dans la plus pure tradition du village. Le propriétaire est un peu excentré, mais faut pas avoir peur. Ok, en route. Oui, en route. Vas-y. Ah, attendez, j'étais en train de regarder. J'ai failli vous perdre, monsieur. Ah, là, c'est l'auberge Accueil. De bons lits et un accueil chaleureux. Que demander de plus? Entre toi et moi, la réceptionniste est une vraie beauté. Oh, oh. En route pour l'étape suivante. En route, monsieur. En route. En route. C'est comme s'il essaie de troller. Yes, il ne pleut plus. Ah, oh, merci, désolé. Je voulais pas vous pousser. Alors là, vraiment désolé. Ah. Et pour notre grand final, voici la boutique de vêtements Vendest. On y trouve les tenues les plus raffinées. Et je sais de quoi je parle. Ok, le propriétaire est un brave type. Ah bah ouais, c'est de là que je viens en fait. Eh oui, tu as deviné, ce type c'est moi. Voilà. Tout ce que tu as acheté ici peut être teint de la couleur de ton choix au levant. Ok. C'est du sport. On va s'arrêter là pour la visite. Ok, monsieur, on n'a rien visité du tout. Merci beaucoup. Mais désolé de vous le dire, on n'a absolument rien visité.